Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Daylight. Sans plus attendre, c'est parti! Brecken, enfin! Je sais qu'on a besoin d'antizine, mais l'acheter à Raïs, t'es pas sérieux? C'est bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, je... Mais tu plaisantes. Ce type-là, Raïs, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, pouvez nous laisser, Crane et moi? T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je vais pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Incroyable. Ils me font confiance à moi. Incroyable. Alors, faut que je trouve quelqu'un au niveau des escaliers. Bon, je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en lieu sûr. Moi, je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville, peut-être. Mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville? Je peux pas te donner les détails. Mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un, je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il y a qu'une personne qui a accès à cet endroit. Et tu l'as devant toi. Apporte-moi un flingue, et t'auras la clé. Et tout ce que tu pourras y trouver. On verra une autre fois. Ça va les déprimés? Toi t'es pas aveugle, toi t'as les yeux un peu blancs quand même. Nice, c'est la conserve. Ok. Épileptique ! Un peu de pile. Toujours les livraisons. Mais non, t'inquiète pas, on va en avoir de la livraison de la cam. N'est-ce pas, mon gars? C'est toi, salut. Alors. Par là-bas. C'est toi, Alfie? C'est moi. Électricité, maintenance du bâtiment, c'est moi qui fais tourner la boutique. Content de te voir. J'allais t'appeler. Quel est le problème? Ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que t'as remis l'éclairage dans le chaudron. La mauvaise, c'est que ça a fait sauter le jus près du pont routier. On y voit plus que dalle là-bas. Et donc, tu veux que quelqu'un rallume? Il y a deux sous-stations. Pif, paf, tu les rallumes. Peu importe l'ordre. Ensuite, tu relances la lime de la station principale et ça s'illuminera comme un sapin de Noël. Je dois pouvoir y arriver. Bien sûr que tu peux. N'importe quel traceur pourrait le faire. Mais il y a un hic. L'extinction de l'éclairage a créé une petite zone d'ombre pour les rapaces. Ils sont nombreux à s'y retrouver à la nuit tombée. Alors, j'ai installé un piège. Il est déjà en place, prêt à se déclencher. Donc, si tu rétablis la lime pendant la nuit, on pourra faire griller tout un tas de ces saletés d'un seul coup. Pendant la nuit? C'est carrément plus risqué. C'est clair. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de volontaire. Mais j'ai comme l'impression que t'es un peu plus solide que le reste des troupes.
C'est peut-être qu'une impression. Disons que je suis là pour rendre service. Vraiment. Que des bonnes intentions, hein. J'espère que t'as du cran, ou tu tiendras pas longtemps. Mmh. Ça, ça me l'air assez risqué quand même. Difficulté intermédiaire, on va peut-être attendre d'avoir plus de meilleures compétences. Crane, tu m'entends? Jade, oui. Ouais, je te reçois. Il y a un problème? Non, non, c'est... Écoute, Crane, ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter, parce qu'Amir et mort rendent souvent la vie. C'est le seul moyen. Si Rice nous donne pas d'antisine, les gens vont mourir, non? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. Et Crane, j'apprécie ce que tu fais pour nous. Je... Écoute, Jade, on en reparle dès que je suis là avec l'antisine, ok? Ok. Reviens en un seul morceau, Crane. À très bientôt, ma petite Jade. T'inquiète pas, on se retrouvera bientôt. Il y a un mec qui nous parle là-bas. On va aller faire fête des mères. En pleine nuit. Attends, est-ce que je peux dormir déjà? On va dormir. Et on fera ça en pleine journée. Pour dormir. Viens à toi. Je vais te faire un bon prix. Ça fait flipper de dormir et d'être à côté de ce con là. Il rafle toujours les livraisons. Ça on prend. Oh ce kick. Oh putain, débarre. Oh le délire. Incroyable, incroyable! Oh, ce que je leur mets! Oh, je vous kiffe, les zombards, je vous kiffe! Oh, si je pouvais, je ferais des choses. Oh, par contre, c'est un trou du cul de ces morts, toi. Il m'a fait passer de l'autre côté de l'humanité. À cause de lui, je suis devenu un monstre, un assassin, un tueur. Tout ce que je ne suis pas de base. Incroyable. Incroyable! T'as que glissé! Hop! Ça n'a rien fait, mais c'était marrant. Oh. Comment il y avait là-dedans lui? Je sais pas, bizarre. Oui. Excuse-moi, je me suis trompé le bouton. Désolé. Il y a toujours une maison rouge là-bas. Je commence à avoir beaucoup de touches de raccourci, je commence à me perdre.
Oh, c'est un motard lui. C'est un mange-mort. Oh, c'est quand même con ça. Petit Mario. Il m'a fait un crochet. Dans sa gueule. Ça c'était beau ça à voir, magnifique. Attends, faut que je récupère mon autre arme. Allez, là. Ah, je peux pas la réparer. Peux-vous oublier ça? Papa. Bon, du coup, j'ai sécurisé cette zone. Ah ouais, ok. Ça c'est ok. Alors c'est pas ma quête, je pense pas, mais bon, tant que je suis là. Ah, et du coup, maintenant je peux utiliser le sac. C'est ça, et je peux dormir là, mais c'est incroyable. Incroyable. Ah, et ça c'est la pharmacie où je suis passé tout à l'heure. On peut rentrer dedans. On va prendre ça, ça peut toujours dépanner. Ton arme en même temps. Inventaire plein. Ouais, bon, t'arrêtes ces gens. Tout ce marteau. Ça, c'est gratuit. Merde. Alors, est-ce que je peux rentrer par là-bas? Non. En revanche, je peux monter sur le toit, mais il n'y a pas d'accès, toujours pas. Par ici, il n'y a pas d'accès. Comment je peux faire pour rentrer dedans? Aïe. Ah bah la porte. Bah oui, quel génie. Ah merde. Et on peut pas Ouais. Ça bousille mon arme, fait chier. Bon, tant pis. Next. On va essayer de faire un peu de combat, hein. On a bien compris que ça m'amuse, mais... J'adore. Et je lui dis à quelques secondes que j'ai arrêté les combats, mais enfin, je sais pas. C'est plus fort que moi. Hein. S'il vous plaît,
plaît, arrêtez! Dégage, ça te concerne pas. C'est quoi ça? Fils de pute! J'ai raté. Ah oui, carrément! Ah, trompé. Wow. Je me fais mal. Pas assez apparemment. Ouais, t'as merdé. Quel combat de merde. Je suis à chier. Appel. S'il vous plaît, arrêtez. Je ferai ce que vous voudrez. Un instant, mon grand. Comme ça, ça peut te servir. 37. 30. Faut pas lui parler à lui ? Si. Merci de m'avoir sauvé les fesses. Je vous suis redevable à jamais. Bien. Tire-toi maintenant, mec. Ah, pourquoi il y a... récompense. Merci. Survivor à l'intérieur. Okay. Oui, ma grande, oui, bien sûr, t'es une survivante, toi. Tu m'en diras, attends. Pas être dedans, fiché. Le courant en route, imagine. Ouais, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que t'en as dans les bras, mon gars? Incroyable. Tout bonnement fantastique. Et ça, c'est closed. Et comme ça, j'ai une nouvelle maison. Excellent. Le mec il est par là-bas. On va passer par là-bas. Je fais que passer les gens, ne vous inquiétez pas. Je ne m'attarde pas dessus. Comment ça, non? Genre, elle parle notre langue. T'es censé être une zombarde. Peut-être que tu as... Ah, coup de... ah oui, toi tu as coup de pied, ok.
Oh là là, mais je kiffe le coup. Oh là 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 là. Je pourrais passer ma journée à leur faire ça sur la gueule. Oh, de l'agneau. Quelqu'un qui marche. Oh non. J'ai cru. Ah, t'es tout dessus. Non plus. Non plus non plus. De l'alpha. Ok. Merde. T'as mes yeux. Oh, un petit couteau. On prend. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? On va aller voir puis on va continuer la quête. Ah, c'est une cargaison qui est arrivée. Okay. C'est ouf en fait ce qu'il y a dedans. Et du coup faut que j'apporte ça là-bas? Sur les... Ah ouais. À l'intendant. Bon tiens, apparemment je peux utiliser des trucs. Ok, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu de ce particulier. On va aller voir Gozzy Gozzy. Mais qui va te lever là? ouais. Ouais. Tu veux que je m'approche, ok. D'abord, tu casses la gueule à ta meuf déjà. Oh. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon grand? Ça te la met mal, ça, hein? Ouais, j'imagine bien, hein. Double strike. Allez là. Prends à ta place. Chien. Qu'est-ce que tu crois faire à Crane? Je tombe au bain dingué, moi, mon grand. C'est marrant. M'avoir. Merci. De rien, mon gars. Tu m'en dois une, hein. Je te vois, espèce de pourriture. Je vais te couper la tête. Allez, enfoiré, crève. Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut? Faut que j'accompagne à la sortie? Ok, bon en fait d'accord, il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit safe, ok. Allez, on se tient. Où est-ce qu'il est planqué l'autre là? Là-dedans? Ah la vache, je tombe à côté, c'est quand même ballot hein, ce qui m'arrive. Si maman est pas contente, personne n'est content. Alors vaut mieux faire plaisir à maman. Gazi? Moi aussi. On a le même nom. Tu viens du vidéoclub? Je m'appelle Crane. Crane? Crane, ça rime avec chaîne, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer? Non, c'est impossible. Impossible. C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub? Pourquoi tu me demandes toujours ça? Tu dois m'apporter mon film, sur moi. Ça s'appelle Charlie. Et ça parle que de moi, et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer? Bien sûr, tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman est pas contente, personne n'est content. Ah, et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. Non, non, attends un peu, ça fait beaucoup. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est ce que disent les gens du magasin. Ok. Bon bah trouver du chocolat et trouver le vidéo. La vidéo. Okay, d'accord. Pas con en plus ce con. Merde, pas maintenant! Charlie, Charlie, la lettre C. Pas plus, hein? Oh, elle est tellement lente! Allez, coucher. Bon, c'est sur ce guet-apens que je vous laisse, les amis. On se retrouve très prochainement pour la suite de Daily Night. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.